Une vidéo pour faire le réglage de la luminosité ou l'exposition avec la DJI Osmo Pocket 3. Alors, ma scène est volontairement à contre-jour. J'ai mis un objet juste pour pas que ça bouge, même le chat, on s'en branle. Et je fais le menu. En haut à droite, vous avez effectivement EV qui est en fait l'exposition corrigée par rapport à la détection automatique. Vous faites un bout clic, vous faites un slide droit, vous enclenchez le mode pro qui était déjà exposition manuelle. Donc je reviens. Hop. Et ici, vous avez EV plus ou directement la vitesse de l'obturateur, un centième de seconde, jusqu'à une seconde. Donc plus c'est lent, plus ça sera éclairé. Et vous tapez sur EV, et là, vous pouvez modifier l'EV vers le bas, ça veut dire plus sombre, ou vers le haut. Donc en général, 1 ou plus. Et là, votre exposition est surexposée pour l'arrière, impossible de faire autrement, mais surexposée, enfin, exposée correctement pour l'objet qui était complètement à l'ombre autrement. Donc je refais la manip. À droite, exposition. On appuie en haut à gauche sur EV ou les vitesses. Et on ajuste jusqu'à ce que le résultat nous paraisse correct. Plus 1 EV, c'est x2 en lumière. Tant qu'on y est, pareil, le petit menu à droite, vous avez le réglage de la température de couleur. Ça, c'est la détection automatique. Et vous cliquez sur M pour manuel. Plus on descendra, plus on sera dans les bleus. Plus on montera, plus on sera dans les couleurs chaudes. Voilà la différence.